Je ne doute pas que les enfants qui ont essayé vont essayer de convaincre les parents de revenir le week-end prochain ou pendant les vacances. Ça permet quand même des activités à une catégorie de population qui est assez large, et en particulier aux jeunes. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de trouver des activités pour les jeunes. Donc on est vraiment ravis qu'une installation comme ça contribue à l'attractivité du village pour les habitants. On est dans un aboutissement, on peut le constater, intergénérationnel d'une part, et puis surtout respect de la nature totale, puisque comme vous le savez, au niveau départemental, on a non seulement des projets, bien sûr, d'investissement comme ceux-ci, qui sont basés sur le tourisme, sur le loisir et la famille, mais également sur la protection de la nature. Donc ce projet nous a intéressés parce qu'à double titre, il permettait bien sûr d'apporter une plus-value touristique et sportive et ludique à tout le monde, mais également parce qu'il a respecté dans son intégralité cette forêt départementale que nous avons confiée, je dirais, à cette entreprise. Moi j'aimais tout, mais j'ai un préféré, c'est la tyrolienne à grosses boules. Et toi Evan? Moi tous mes préférés c'est tous, c'est les tous. C'est super!